Bonjour. Bonjour. Présente-toi. Bah, je dis bonjour. Ça y est, ça va être long. Ouais. C'est tout ou pas? Mais elle a la force, c'est incroyable. Et je monte à cheval, moi, tu crois ah, quoi? Ouais, c'est vrai. Il faut buzzer, il faut que tu. Faut appuyer, non. Faut appuyer avant d'appuyer. On peut répondre en appuyant ou faut buzzer à chaque fois. Pour son agressivité naturelle, pour sa méchanceté immédiate. Bien sûr. Et mon agilité, du coup. Je dirais 9 ou 10. Je suis pas mal. J'ai une hésitation entre le 9 et le 10. Ouais, bah vas-y, lequel ? Je dirais plutôt 9. Bah non, c'est la merde. Voilà. Ouais, mais je me suis dit 10, c'est Mbappé, j'y étais pas en fait. Pas le bon sport. Zinedine et tout, après, wouh. Je pensais que David était quelqu'un de réfléchi. plus j'apprends à connaître et plus je me rends compte qu'il est un peu fou comme moi, parce que à chaque fois, il dit que je suis folle quand je lui propose des trucs, mais deux secondes après, il me dit « Bon, allez, c'est bon, on y va. » Il aime beaucoup dormir. C'est vrai. Et moi, j'aime beaucoup fêter. Donc, on est très complémentaires là aussi, je crois. Steph, c'est quand même quelqu'un qui véhicule énormément de valeurs de par ses fonctions, de par l'association des Rubis qu'elle a créée aussi, de par tout ce qu'elle a fait dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et elle incarne tout simplement l'image de la femme. Ben voilà, qui est incroyable et qui fait énormément de choses, quoi. Plus on parle des femmes dans le sport au féminin, plus je suis ravie et satisfaite. Ensuite, parce qu'on voulait soutenir l'assaut Les Rubis, qui fait beaucoup pour le sport, pour les femmes, notamment les femmes qui sont atteintes de maladies. Le sport peut faire beaucoup pour la réappropriation de soi, pour la réappropriation de son corps, pour se sentir mieux après une maladie. Donc évidemment, on est là pour ce genre de cause. Je pense que Sofiane dira la même chose. Je vais rien dire de plus. J'ai beaucoup d'admiration parce que une femme tout seule avec trois enfants qui nous a donné beaucoup d'amour, de l'éducation. Je trouve que voilà, on n'a pas trop mal fini. Je crois que voilà, tu connaissais ma mère, elle avait des principes, elle était, voilà, était forte. Et je crois que ce côté fort, j'ai voulu lui rendre, notamment quand j'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France. Elles ont beaucoup de choses à faire, en plus de leur vie de joueuse. Et c'est pas évident, ça nous rappelle nous tout début du professionnalisme. Mais malgré tout, elles ne se démontent pas. Voilà, quelles que soient les conditions, tard le soir, tôt le matin, après des journées d'études ou de travail longues, eh ben, ça n'empêche pas qu'elles mettent les crampons, je rappelle, par n'importe quel temps. Et elles y vont. Et après, sur le terrain, elles ne cessent pas faire et c'est un sacré bout de femme. Ouais. En fait, il y a trois axes, c'est la nutrition pour les enfants, à chaque fois c'est pour les enfants, l'éducation et la santé. Voilà, c'est le triptyque qui est important à nos yeux et donc on va aider financièrement des projets des associations locales à se mettre en place pour ces enfants qui sont dans les milieux plus que défavorisés. Allez, attention. Des cuisses de grenouille, on va dire. bien vu. C'est un sport qui est encore très confidentiel au Burkina, on va pas se mentir. Donc les gars, ils sont très courageux aussi parce qu'ils pratiquent sur des terrains en terre battue style Roland-Garros. Donc se plaquer là-dessus, c'est vraiment pas cool. Le pire, c'est qu'on a commencé à embaucher plutôt les potes et plutôt des mecs qui jouent au rugby. Et aujourd'hui, on embauche des filles qui jouent au rugby. J'ai découvert des hommes et des femmes qui m'ont fait comprendre que un handicap ou une maladie, ben on ne se bat pas contre ça, on apprend à vivre avec. Merci pour tous les souvenirs que tu m'as créés, merci pour l'amour que tu nous portes encore aujourd'hui. Et je veux vraiment que tu saches qu'on est tous là pour toi et qu'on, même si papy n'est plus là, tu seras toujours entouré. Je t'aime du fond du cœur. J'ai de l'amour pour deux.